Quel est le point commun entre Jared Leto, acteur américain récemment Golden Globeisé, et Nicolas Sirkis, chanteur à mèche français du groupe Indochine? Réponse, la musique. Car Jared est un acteur-chanteur et hier soir, lors de son concert à Paris, Nicolas Sirkis l'a rejoint sur scène pour une chanson. Bientôt, un duo. Il y a un an, Sony a sorti un mini-lecteur MP3 calibré pour les sportifs en milieu aquatique, car waterproof. Aujourd'hui, pour bien prouver l'étanchéité de l'objet, en Nouvelle-Zélande, ce Walkman est vendu dans une bouteille d'eau et disponible dans un distributeur. Ok, c'est bien noté, Sony a prouvé l'étanchéité de son gadget, mais pas son utilité. La mort de Philip Seymour Hoffman, au-delà de la tristesse, posait une question cruciale. Comment finir la saga Hunger Games dans laquelle il avait un rôle clé? Heureusement, le comédien avait tourné presque toutes ses scènes et pour le reste, les producteurs ont décidé de le reconstituer en image de synthèse. Show must go on. 6,3, c'est le chiffre du jour et c'est en pourcent le nombre d'hommes qui déclarent ne pas avoir d'enfants et ne pas en vouloir. Les femmes, elles, sont 4,3%. Exit couche, biberon, crise d'ado, études, beaux enfants. Bref, calme et contraception. Dans la catégorie classique à ranger immédiatement dans sa DVD tech, sort aujourd'hui Sharknado, un téléfilm au pitch aussi simpliste que délirant. En gros, une tornade débarque de la mer avec à l'intérieur plein de méchants requins qui volent et boulottent des gens. Aux États-Unis, lors de sa diffusion, ce nanar a fait un record d'audience. Résultat, une suite est prévue dont le tournage vient de commencer. Super!